Sunday. Et salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va vous faire plaisir parce que je vais vous annoncer des nouveaux motifs pour les anciens véhicules qui étaient arrivés sur le online. Mais c'était vraiment les véhicules du tout début. Donc il y a toute une liste que je vais vous donner. Et donc on commence par la Maibatsu, hein, qui est donc l'Eclipse normalement de 2006. Mais ils y ont fait donc l'easter egg de l'Eclipse de Paul Walker dans Fast and Furious 1, qui est l'Eclipse de 98. Donc voilà, vous voyez, c'est l'un des motifs qu'on pourra retrouver sur celle-ci. Je vais tous vous les montrer. Et donc on est parti pour tous les véhicules. Je vais vous montrer tous les véhicules, tous les motifs possibles. Et à la fin de cette vidéo, je vous poserai une question et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on est parti. Et donc vous voyez, je vais faire Bénise. Donc ce sera des véhicules, peut-être Bénise ou pas, on verra. Donc voilà les motifs que vous allez avoir. Rayure blanche, rayure double noire, donc voilà, vous voyez juste derrière. Je suis désolé par contre, c'est qu'il arrête pas de m'appeler parce que je suis en début du jeu. De grosses bandes blanches, voilà, c'est plutôt sympa. Noir pareil, parking serré. Donc ça je vous montre, voilà. Dynalistique. Ah, attendez, Vini élastique, pardon. Oh, il va me faire chier avec ça. Fluorescent, donc voilà, c'est un truc vert devant. Il est plutôt joli celui-là aussi, il est sympa. Usine Maibatsu. Franchement, c'est propre. C'est vraiment propre. Course Maibatsu, voilà. C'est vraiment beau. Et donc j'ai failli te battre, qui est bien l'easter egg hein, de Fast and Furious. Je peux savoir pourquoi tu te marres? J'ai failli te battre. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne la Maibatsu. On passe à la suivante. Donc on passe à la Bolokan Prairie. Donc pareil, je vais dans Custom, Bénise Mode, Motif, et on voit les nouveaux motifs. Oh, pas mal. Ok. Bande turbo, sympa. Flamme vacillante. Motif rétro. Oh putain, ils sont jolis, hein. Bande course blanche, bande blanche. Ah, et tous ces motifs-là, ils n'y étaient pas avant. Hein. Et ils vont arriver incessamment sous peu sur le online. Ne vous inquiétez pas. Là, on a un peu l'inverse. Oh, joli Bolokan. Franchement, il est joli celui-là. Pilote de l'extrême. Ah, joli. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a certains véhicules, il y a des nouvelles pièces. Donc, c'est pour ça. Après, je vous poserai une question. Vous me direz ce que vous voulez faire avec. Donc, attendez, celle-là, on va la mettre là. Donc, voilà, vous avez vu les motifs pour la Bolokan. On passe à la suivante. On passe à l'Impont Ruiner. Donc, là, encore une fois aussi. Sûrement peut-être quelques pièces nouvelles, mais surtout des motifs. Triple bande blanche. Ça, ça fait clairement penser à la Corvette. Hein. Une vieille Corvette qu'il y avait dans, d'ailleurs, qui était dans les Grands Turismo. Double bande rouge. Rayure blanche. Rayure double noir. Aplat noir. Alors ça, on voit pas trop ce que c'est. Attendez, je vais juste modifier la couleur. Paint. Voilà, donc en fait c'est juste le tueur en noir, voilà, comme ça. Ah c'est sympa. Donc ça, c'était pour la Ruiner. On passe à la suivante. Donc ensuite on a pour la D-Class Mamba. Donc toujours pareil. Des nouveaux motifs. On va aller voir de suite. Bande blanche. Oh. Bande noire. Bande bleue. Ah, c'est joli. Bande rouge. Oh putain ça claque comme ça. Flamotte Rod. Ah ça défonce. Bande blanche. Ouais, donc ça c'est ce qu'on voit dans
dans le DLC qu'on a actuellement, hein, la voiture qu'on peut récupérer dans le camion, c'est souvent une des classements de bas, et donc il y a un de ces vinyles qui est dessus déjà. Rétro noir, rétro orange. C'est vraiment, vraiment joli. Allez, on passe à la suivante. On passe ensuite à la coquette classique. Donc voici les nouveaux motifs. Rayures double blanche. Noir. Large. Noir large. Vive la liberté. Ouh, pas mal. Flamme rouge. Flamme bleue. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Morsure de requin. Ok. Ça c'est sûrement un easter egg. Ça me dit quelque chose. Pilote rétro. Ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout celui-là. Les pilotes bicolores. Donc c'est tout pour la coquette classique. À l'avant-dernière, la Futo. Et alors là, la Futo, préparez-vous parce que ils sont vraiment très très jolis. Autocollant classique. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y avait à l'époque et qu'ils ont enlevé. Donc là on a le rouille, un tas de ferraille, Kiprali, Karine. Pilote légendaire. Dérapage contrôlé. Équipe auto exotique, regardez-moi ça. Franchement. C'est incroyable. Qu'est-ce qui nous prépare? Coureur numéro 7. Donc voilà, là on a les trucs chinois quoi. Drift garage. Drift Itasha. Donc voilà les gars. On passe maintenant au dernier véhicule. C'est donc le Speedo Custom. Apparemment il y a des nouveaux. Il va y avoir des nouveaux motifs, donc on va les voir. Camouflage basique. Ok. Grand coup d'eau. Et je pense que ceux-là en fait on les a déjà. Popo Pognon. Sotanov. Monogramme. Ah regardez. Oh, il y a des choses intéressantes là. Écossais bleu, bon celui-là on l'a déjà. Camouflage de chasse. Celui-là on a pu le voir sur certains véhicules déjà. Bleu et vert lui aussi. Orangé aussi. Et après c'est les... C'est ceux qu'on a déjà. Donc voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. De lâcher le gros pouce bleu, c'est important quand même, parce que là je vous sors une exclue quand même. Une exclue qui n'a pas été encore annoncée en France, donc voilà, je vous le balance. N'hésitez pas à venir en commentaire, donc voilà ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez que je vous fasse chacune des voitures en tuning, dont je vous refasse l'easter egg de l'Eclipse, qui est juste à côté là. Voilà, donc moi je serais chaud pour tous vous les faire une par une, avec certaines il y a des nouvelles pièces, vous verrez. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Ciao. Tous ici te le diront, tous ceux qui courent. On s'en fout de battre les autres de 10 cm ou d'un kilomètre. Ce qui compte, c'est gagner.